Si t'as un aloe vera, tu peux en extraire un produit qui peut t'hydrater et soulager les coups de soleil. Et ça, c'est pas mal pour l'été. Tu prends un couteau désinfecté et tu coupes une feuille. Cette feuille, tu vas voir sortir un liquide jaune. C'est du latex, c'est toxique. Ma petite technique, tu le mets dans l'eau et ça s'arrête, t'es tranquille. Tu coupes des petits morceaux, 3 cm, et tu coupes les rebords. Là, tu vas voir cette texture transparente, assez étonnante. Tu coupes bien sûr le reste et avec une cuillère, tu retires le gel de l'aloe vera. Tu mets ça dans un bol, ensuite tu mixes. Ça va donner une texture un peu comme un œuf et tu laisses reposer. Je l'ai laissé reposer. Voilà la texture gélatineuse qu'on obtient. Vous pouvez l'appliquer maintenant sur votre peau et sur vos cheveux. L'aloe vera a plein de vertus. Ça favorise la cicatrisation, c'est plein de minéraux et c'est hydratant. C'est idéal pour les coups de soleil. Et si vous en reste, j'ai ma petite astuce. Vous pouvez les conserver dans un bac à glaçons. Et vous, vous en avez de l'aloe vera chez vous? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour plus d'astuces.